C'est pas des miel pops? Non. C'est des miel poops? Ah ouais, ton bas. Des miel balls. C'est bon ou pas? Ah mais t'es... C'est des granulés qui donnent aux lapins. Ah. La cellulite. Ouais. Comme ça je fais. Qu'est-ce que je transpire? Mais qu'est-ce que je suis mort. Yo les gars, c'est Jo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Lisa. Oh, c'est pour de la bouffe. Allez, j'ai trop faim là. Déjà, je pense que vous nous retrouvez avec un. Bah, deux petits changements capillaires. Ah, on a tous les deux des cheveux. Ouais. Ah, non. Il est shady. J'ai décidé de me laisser pousser une frange. Je sais pas si vous voyez bien, regardez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'en avais marre de me raser le kiwi tous les jours. Et moi j'ai décidé de faire appel à Myriaka pour qu'elle me fasse un peu bah, des cheveux quoi. Ça fait très bizarre, on retrouve, vous savez, Lisa de mes vidéos tard 2017. Long. Ouais, très très long. Hein. Mais non, mais j'ai un short. Bah ouais, parce que dis-le quand même. Ah oui, bah au cas où vous poseriez des questions, j'ai un short, ne vous inquiétez pas. Bon, on a extrêmement chaud. On a l'honneur de vous annoncer aujourd'hui. Pardon. Mais moi arrête. Pardon. On a l'honneur de vous annoncer aujourd'hui qu'on sort notre collection avec Jennifer. C'est une collection de vêtements mixtes, donc avec nous deux quoi. On est obligé de sortir quelque chose de toute façon qui était pour les garçons et les filles, puisqu'on a deux communautés de garçons et de filles. Donc on a pu sortir des t-shirts, des jeans, des survêtements, des bobs, des casquettes. Allez, attends. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà perdu 5 kilos dû à la température qui fait dehors. Mais aussi, à l'heure où vous regardez cette vidéo, la collection est déjà sortie en ligne et en magasin. Donc elle est déjà sortie depuis quelques temps au Maghreb. On vous a mis le lien en barre d'infos. Et aujourd'hui, surtout pour une petite vidéo où on va recommencer à faire quelque chose qu'on adore. Vu que notre collection est inspirée par les années 2000, les années où j'ai grandi, qu'est-ce qu'on sait surtout en 2000, Lisa Pabs? On aimait beaucoup manger des céréales, et comme diraient les petits, je veux des céréales. Des céréales, des céréales. Ouais, donc on s'est dit qu'on allait pas juste vous montrer nos vêtements, mais on va aussi faire un test de dégustation de céréales à l'aveugle, bien évidemment. On va à la Carrefour acheter des céréales, on va aller chacun de nos côtés. On s'est dit... On a réparti les tâches, enfin, entre guillemets. Genre moi, les céréales au chocolat, parce que c'est ce que je préfère. Moi, les céréales autres. Rapport. Sens. Donc voilà, alors du coup, là on va aller à Carouf. Moi je porte le t-shirt Hem Safiranik, ce qui veut dire 5 dans vos yeux. C'est contre le mauvais oeil, donc c'est écrit ici, c'est brodé. Et dans le dos, j'ai une petite manfatma, je sais pas si vous voyez. Une petite. Une énorme. Gigantesque. Et moi, je porte le t-shirt Back to the 2000s, donc forcément avec des strass bien sûr, très particulier, très Nicolas. On va à Carrefour et on se retrouve tout de suite. Les gars, on vient d'entrer les petites courses. Écoutez, du coup là on porte notre t-shirt. Bah perso c'est mon t-shirt préféré de la collection. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'ouvrir une multinationale. Moi mon plus grand rêve c'est d'ouvrir un bar à poulet. Et du coup avec Jennifer on a fait un t-shirt en mode comme si on avait une entreprise de livraison. Et derrière c'est marqué. Donc derrière c'est écrit Pabs Chicken. Voilà, on adore. Avec une espèce de bucket. Un petit bucket des Pabs quoi. Bon, qui commence à goûter les céréales? Toi ou moi? Je sais pas, d'habitude c'est toujours moi qui fais le cobaye. Ok, bon alors vas-y, tu mets ce petit masque où c'est marqué la vie est trop courte pour porter des vêtements ennuyants. Tu es ennuyant ou ennuyeux? Ennuyant. Les stars de la grammaire, dis-moi dans les commentaires. J'ai faim, j'ai la dalle. La tête de Wham, j'ai tellement les crocs, je vais tout défoncer. On va commencer. Ne sens pas trop les odeurs. On fait quoi, l'équivalent d'une grosse cuillère? Ouais, t'as pris une cuillère à soupe, j'espère. Non, non, une cuillère à dessert. Pour nos gabarits. Sinon, moi j'ai ouais. Céréale numéro 1. Encore. Tu les reconnais ou pas? Ouais. Tu sais c'est Golden Grams. Exactement. Ouais. C'est trop la dalle. Waouh. Ah non, moi j'aime quoi. Je rappelle. Alors moi, je vais me faire goûter en premier ça. Ça en vacille. Le jeu c'est pas apéritif dînatoire. Hein. J'ai le droit de regoûter ou pas? J'ai un doute entre deux. Ouais bah tiens. Je trouve qu'ils sont moins sucrés qu'avant honnêtement. On dirait les trésors, mais en même temps, on dirait des Chocapic. Mais c'est les trésors, non? C'est pas les trésors? Ça attends, rien. Ah non, remets-moi une cuillère. Mais non, y'en a plus. C'est des lions. Mais pas du tout. Ouais, je te donne ça. Ouais, demain sans lait. Ah, je sais ce que c'est. C'est quoi? Cookie crisp. Ouais. Ça, la vieille, elle m'a nourri à ça. Les romaises. Les romaises. Rendez-vous les romaises. T'as vu, c'est
Même il y avait un petit loup gris sur la boîte. Ouais, exactement. C'est ça. Mmh, un vrai régal. Faut qu'on arrête de regarder le retour caméra. Non, mais moi je regarde pas. J'ai encore la dalle. Bon, on a changé de tenue. Là, du coup, on porte le petit sweat. Karma Coffee. Parce que le karma n'a pas besoin d'adresse et c'est bien meilleur quand c'est chaud. Et derrière, du coup, vous avez l'inscription Karma Coffee avec le grand gobelet comme ça. Qui naît sans rappeler une très grande marque avec une sirène qui écarte ses jambes. C'est à toi, du coup. C'est à moi. C'est à toi. Je sais même pas si tu les connais en vrai. Mais je pense. Ah, ça va. Ah, je connais pas, mais c'est dégueulasse. Ça va cannelle. Ouais. Toi, ça doit être une vieille marque, genre. C'est pas une marque non. De muesli, genre un truc comme ça. Non. Tu goûtes cru. Tu vois la forme que je touche. C'est pas un test Mystery Box. T'aimes pas? J'aime pas du tout. Oh là là, je connais pas du tout. Mais ça, c'est des céréales d'adultes aussi. Tu donnes ta langue à la chatte? Pas du tout. C'est pas du tout des céréales d'adultes. T'es les Cinéminis? Ah non, je connais pas. Enfin, genre, je vois, j'ai déjà vu dans les supermarchés et tout, mais j'ai jamais. J'adore. Je sais ce que je vais lui faire. Un régal. C'est moins difficile. Je vais lui faire goûter ça. Allez, goûte, ma belle. T'inquiète. Non, ouais. Tu crois que je vois pas? Tu regardes? Non, je vois pas. Je jure, je vois rien. C'est une marque connue? Ouais, non. En fait, ouais. Non. T'as pris un premier prix? Ouais. Un premier prix des chocolats? Non, mais je. Bah oui, je sais très bien, mais tu vois. Je suis sur la tête de maman. Mais comment tu veux que je vois? Je vois comment? Je suis comme ça. Tu vois pas en bas, il y a le truc bah là? Bah si, moi je vois. Non, pas. Moi je vois pas. Bah ouais, bah c'était ça. Non, t'es malade, je vois pas. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est un lion, tout le temps. Mauvaise chose. Non. J'ai gagné, t'as le seum, c'est tout, point barre. Non, j'ai reconnu, c'était le goût des chocapics, mais chocapic. Chocapic. Alors, t-shirt suivant. On a fait les t-shirts, vous savez, comme dans les années 80. Du coup, c'est pas du tout 2000, mais tu sais, les t-shirts des artistes en mode. Bah, Whitney Houston, Mariah Carey, tout genre. Pabs Movies, quoi. Un vrai ego trip. Un t-shirt avec nous dessus, c'était un délire, mais en vrai, j'ai vu qu'au Maghreb, tout le monde avait acheté. Donc, franchement, je suis trop content, il est trop stylé. Et donc, derrière, c'est écrit Direct by Joanne Pabs, Film by Lisa Pabs et Produced by Don't Call Me Jennifer. Merci. Alors, du coup, c'est à toi, là. Non, t'as vu, t'as regardé. T'as regardé, Elisa. Je te vois. T'as envie de regarder là-bas ou quoi? Tu regardes là-bas? J'ai regardé là-bas, mais. Allez, on passe à ceux-là. Moi, ceux-là, c'était ceux que j'aimais pas trop quand j'étais petit. Oh non. Non, je sais pas si t'aimes bien ou quoi. J'essaie de mettre le max dans la. Non, bah si c'est pas bon, non. Moi, j'aime pas. Après, peut-être que t'aimes bien. Tu vois ce que c'est ou pas? Ça, c'est la boîte avec le petit lézard. Et c'est quoi? Je sais pas la marque. C'est presque un lézard, je crois. Non, mais il est vert, quoi. Ouais. Une grenouille. Ouais, c'est quoi? Oh, c'est pas une jambe, manger ça. Je sais pas, juste c'est sans frère qu'on avait quand ta mère voulait pas nous regarder. C'est les Smacks. Ouais, mais j'aime pas du tout. Non, mais ça, c'est des trucs pour faire les bars par les Américains, genre. Non, c'est pas ça. Si, ils font des bars avec ça. Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas ça. Elle parle de ces gâteaux-là, mais ça se fait avec des Rice Krispies, je crois. Donc, pas les mêmes. À moi. Et je ne vois pas sous le masque. Ça, alors, ça, si tu te rouges, vraiment, c'est impossible. Ah ouais? Donc, en fait, je vais vous montrer ce que c'est. Je sais pas si vous voyez. C'est ça, mange. C'est un mieux, c'est du chocolat. Mais trois mères. Trois mères. Qui est sans sucre. Non, pourquoi? D'une marque. Chocolat noir, je sais pas, Special K. Non. Bjorg. Ouais. On voit que c'est un muesli, genre pour les gens qui ont mal au transit. Ah là, c'est pour les bébés. Ah, c'est les petits. Des céréales pour les enfants. Ouais. Ils sont bons les carrés de chocolat dedans, par contre. Je vais devenir un mukbang la vidéo. Moi, j'en ai pas eu un de sang. C'était le sifflet du prof de sport. Donc là, on est avec notre survêt Daji. Daji, la gadjelle m'a dit un G gris. Daji comme ça, sur être mixte, très léger, très agréable à porter, très très doux. Très très confortable par contre. Il est zippé en bas, ouais voilà. Comme ça. Oui, oui, comme ça. Wow. C'est vraiment hyper. Bon, du coup, on continue. C'est à moi là le cobaye. On dirait que je suis dans un cube de cassis. Tu vas goûter mes céréales. Je pense que tu vas trouver. Les manges. J'avais rigolé. C'est quoi? C'est quoi? Des miel pop. Non. Quoi? C'est pas des miel pop? Non. C'est des miel poops? Bah ouais, ton bas. Des miel balls. Moi je. C'est des faux trésors. Ouais. De quelle marque? Je sais pas, en fait au début je croyais que c'était des chocolats, tu sais, petites tartinettes. Ah ouais, non, pas du tout. Ça a le goût de la choco-noisette, mais c'est pas des vrais trésors. Non. Je sais pas, la marque distributeur, genre la marque Carrefour. Non, genre déjà, c'est une vraie marque. Une vraie marque. Ouais. C'est une vraie marque qui a copié les trésors? Ouais. Nesquik, non. Non. Milka? Non, on l'a mangé du Crunch? Oui. Crunch, on fait des céréales comme ça? Ah ouais. Pour moi, les céréales Crunch, c'est ceux qui ressemblent à des myrtilles. Bon, du coup, là, on a un petit ensemble Daji en jean. Daji. Daji, on est là. J'adore. Du coup, bah, c'est une veste avec un jean. Le jean, on a fait exprès de faire une coupe en mode. La GRS. On a fait exprès de faire une coupe un petit peu droite. C'est pas trop près du corps. Pour que ça aille aux garçons comme aux filles. De toute façon, vous partez ce que vous voulez. Le genre est une construction sociale. P13, parce que du coup, bon, comme vous le savez, je suis le premier Lisa, le 3. Et le P de Pabs. On a aussi fait deux accessoires. Donc, le Bob P13 et la
Modulable, enfin je sais plus comment on explique. Un réglable, ouais, une casquette, ouais, non. Non mais elle par contre j'adore. Donc voilà, on dirait très Britney Spears et Justin Timberlake à l'époque. Du coup on est très contents, ces petits accessoires. Un peu dur ce que je vais te faire. Cette fois-ci. J'adore ces céréales, mais pareil. Je suis hyper mauvaise joueuse. Ça va même faire un peu des croquettes, mais c'est pas des croquettes, t'inquiète pas. Allez, ouvre ton gosier. Je sais pas si tu connais. Oh, mais c'est dégueulasse. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça mélange de maple crack. Ouais. C'est des maple cracks. Non. Ah non, on est d'accord, c'est pour ça que ça n'a pas le même goût. Il y a un ingrédient qui ressemble au doliprane. Je sais ce que tu veux dire. Il y a un goût de fruit un peu à la fin. Fruit synthétique. Je sais très bien ce que c'est. Pourquoi? C'est des Fruit Loops. T'as vu? Non, non, je te jure. Comment tu sais? À toutes les deux, parce que je me souviens de les avoir vus dans le rayon. Oui, c'est des Fruit Loops. Ah, j'étais sûre. Ah, c'est pour ça que j'aime pas. Je crois que c'est un petit goût de fruit à la fin, je pense, c'est bizarre. Non, franchement, je vous le conseille pas du tout. J'ai un facile et un dur, mais un très facile. Ok, bah je préfère le très dur. Et c'est la marque que je connais pas. C'est la marque que toi tu connais pas? Non. Donc en gros, je vais me trouver quoi. Mais je sais pas, parce que ça a l'air d'être un truc un peu américain. Ok. C'est ça, donc avec le clic, je sais pas comment c'est. Bon, mais fallait bien que je fasse des trucs difficiles quand même. T'aimes bien? Moi aussi, je goûte parce que. Je crois que je sais ce que c'est. C'est quoi? Ça goûte les Weetabix. C'est les Weetabix? Ouais. Je crois pas que c'est américain, c'est anglais. Ah ouais? Mais t'as pas pris les gros. De base, les Weetabix c'est genre comme ça. Ça c'est gigantesque. Je mange ça en Angleterre et j'ai revu ça après dans la série Planqueur. Je crois que c'est dans Planqueur qu'elle mange ça, non? Sabrina Roisani, elle mange ça dans Planqueur. Je dis ça comme un. Sabrina Roisani. Elle mange ça dans Planqueur. Ouais, mais par contre, vous voyez, quand vous goûtez des muesli, parfois c'est archi dur en bouche. Enfin, c'est. Et là, en fait, quand tu rentres dedans, ouais, ça devient fondant. Je vais me prendre un petit bol, tu vois. Et enfin du coup la dernière tenue, moi j'ai mis le t-shirt Back to the 2000 que Lisa avait au début de la vidéo. Trop. Toi tu portes du coup la seule tenue qui est vraiment féminine. Voilà. Mais oui, après si vous voulez. Mais ça y'a pas de problème. Hein. Donc je porte en fait un haut, une épaule dénudée. Donc là vous avez un petit volant qui permet de garder la structure. Donc voilà. Et je porte en fait mon jean. Donc là vous avez les petits détails avec la fermeture éclair, le petit rond. Et la spéciale. Tu peux montrer oh. Ah pardon. Le jean est vendu en bas, voilà. Voilà. Mettez les chaussures. Je suis pas très souple hein, même si j'ai fait 15 ans de gym. Donc la spécialité c'est que vous pouvez. Enfin la particularité. La spécialité wesh. La particularité c'est que vous pouvez mettre du coup des talons autant que des grosses baskets et tout, donc c'était ça en fait que je voulais absolument. Et voilà. Et du coup je vous ai pas montré, il y a toujours le petit P13 maintenant parce que c'est nous. Moi c'est la dernière boîte. On mangeait cette marque mais on mangeait pas ce goût. Tu mets l'ange là? Ouais, je les hydrate. Ah, hein? Ah, mais elle a de la fraise. Tu vois ce que c'est ou pas? C'est un truc quoi? Vu que ça n'a pas de goût, tu veux celle là? Exactement. À quoi? Bah, au fruit rouge. Exactement. T'as trouvé. Mais pourquoi? Attends, il y a de la gélatine. Les fraises sont trop. La gélatine. Non, c'est des fraises qui sont réimbibées dans le lait. C'est des fraises comme ça, genre des fraises et des framboises. Qui se réimbibent dans le lait. Crodin comme ça? Ah, parce que franchement, tu sais quoi? On aurait dit un petit bonbon à la gélatine. Non, c'est pas bon. Ah, mais c'est dégueulasse. Mmh. Donc, du coup, ce que je vais faire manger à Joanne, c'est ça. Ah, il goûte fort. Wow, c'est trésor. Bah oui. Trop simple. C'est difficile. Mais difficile. Bah alors ça franchement. Les trésors tu me fais pas croire franchement. Si vous nous faites pas. Enfin, que c'est pas la meilleure céréale sur terre. C'est des meilleures. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Ils sont incroyables. Goûtu. Ça franchement je suis désolée, on dirait les granulés teint les poneys. Mais je sais déjà ce que c'est alors. Tu connais pas du tout. Je connais pas du tout. Ouais. Est-ce que c'est comme des espèces de petits fils marrons comme les. Ça ressemble comme des petits bretzels coupés en morceaux, c'est des Holbran. C'est ça? Non. C'est Holbran, c'est les Américains qui mangent jamais si c'est ça. T'as dû prendre une autre marque, c'est tout. Ça c'est Holbran. Oh, mais Fibra, tu m'as pris une fausse marque. C'est bon ou pas? Ah mais c'est des granulés qui donnent au lapin. Mais même le goût. T'as pris au rayon animalier. Ah je veux dire. Source de fibres, ça se voit que ça regarde, fait chier ça. Accompagné d'un bon goûter, bah putain. Mais le goût est dégueulasse. Ah ouais, merde. Tu vois, c'est comme un truc dégueu, genre des fois je vais juste remanger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'arrive pas à m'arrêter. Non plus. J'adore les céréales. On espère que la vidéo elle vous a plu. En tout cas, vous nous savez comme d'habitude, dès qu'on fait des vidéos de bouffe, on est heureux. Bon, on est trop contents. Sur nos visages. Et puis écoutez, on espère que la collection vous plaît aussi chez Jennifer. Ouais, ça c'est le principal. N'hésitez pas, bah, si vous achetez les pièces, que ce soit sur internet ou en magasin, à nous le dire avec le hashtag PapsMob. On viendra du coup liker vos photos, commenter, répondre à vos stories. Voilà. On espère vraiment que vous allez vous retrouver quand même un petit peu dans notre collection. C'est votre style quoi en fait franchement. Et que surtout vous nous retrouvez également dans nos vêtements, tu vois. Parce que exactement. Pas non plus. Ouais, et puis voilà, je vais même pouvoir faire des t-shirts en mode Pap Chicken et tout. Franchement, enfin, on savait que ça allait vous plaire. C'était juste du pur kiff. Voilà. Donc en tout cas, on fait des gros bisous. Et on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo.